yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes depuis Mombasa Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous parle invite au côté président République là, Jovenel Moïse qui te font visite à Centrale Électrique Varoa. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous positif ou bien négatif. Ici dans Bombado Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça en pile. Eh bien, nous pas perdre de temps, nous déroulé avec information. En nous, Centrale Électrique Varoa commence à fonctionner dimanche 15 décembre, officiellement sous direction l'État haïtien. Centrale ça a quitté une capacité pour fonctionner à 70 MW, passe coulée à 90 MW. Président République là, Jovenel Moïse, qui te gen avec lui plusieurs responsables dans question énergie là, te rend yo nan centrale Varo 1 ak 2 a. Et président République là, Jovenel Moïse, invite tout haïtien dans vie nationale là pour réfléchir à bien-être pays a. Liv le fait konnen nan occasion 16 décembre là, li di ki yon date historique, li di 16 décembre 1990 côté différents secteurs te participé dans l'élection générale ak démocratique et fait qu'on est 29 années après chef l'État encourager classe politique yo pour prendre route dialogue. Et bien ces informations ça nous porter pour vous, nous pas perdre du temps, n'a commencé coulier. Dernière fois après 16 décembre 1990 c'est une élection démocratique qui était faite en Haïti, c'est en 1957. Et si nous comprenons de 1957 au 16 décembre 1990, ça a fait 33 ans. Et on fait un exercice, 33 ans après, si les gens qui ont voté dans l'élection mai 57, je crois que l'âge minimum n'a pas 18 ans. Ça veut dire que c'est plus. On a dit qu'on a moyenne que l'âge de 21 ans. Ça veut dire que les gens qui ont voté en 57, le yote arrivé en 1990, yote gen 54 ans. Ça veut dire que c'était presque l'autre génération net qui était votée dans l'élection 16 décembre 1998. Et pourtant, pour nous toujours songer, que une phrase que je me fais comparer avec lui, je me dis que la stabilité politique est le premier des biens publics. Ça veut dire qu'un pays, pour le faire progrès, pour le gain de croissance, je voulais parler de bon genre croissance économique. Il y a une stabilité politique. Date ça aujourd'hui, c'est une date de réflexion qui peut faire nous connaître que la turbulence politique n'est pas dans quel côté que le camion est pays. Et c'est pour ça aujourd'hui, je profite de date ça pour me parler avec frère, ceux qui sont l'opposition, haïtien qui vivent dans le pays d'Haïti, que le seul monde qui a fait un bagage pour le pays, c'est nous-mêmes haïtiens. C'est le nous vivre tête nous ensemble, le nous vivre travailler dans l'unité, côté. Moun kap divise nou pou reye nou yo, pou yo reye, pou nou kapab di yo, fon kampe. An travay pou ke lon pep voto, ke kote prezident, kote senatè, kote depute, kote magistre, kote kazèk, kote azèk, kote delege vil, lon pep voto, li voto pou vin servil. Li pa voto pou nan l'bata yon alot, li pa voto pou al travay pou interè personel. E li difisil. Parce que l'heure où décide de travailler pour l'intérêt du peuple, là, parfois, on sait de monde qui devant, il y a des murs campés devant, il y a gros de l'eau pour jambé, il y a du feu pour traverser. Et c'est pour ça, aujourd'hui, n'a pas des peuples haïtiens, lui-même, ça a gagné 29 ans, qui a voté dans l'élection 1998. Pour me dire que aujourd'hui, ça qui mettait nous là, c'est la turbulence politique que nous connaissons depuis les derniers 32 ans. Parce que pendant 32 ans, le pays a 15 présidents. Et dans 15 présidents, il y a deux seuls présidents qui ont fini le mandat. Ça veut dire qu'il n'y a aucun pays sur la terre pour qu'on parle d'eux. Le progrès la donne sans la stabilité politique. C'est pour ça que matin, je profite de l'occasion pour me dire, peuple haïtien, tout le monde qui fait politique dans le pays, que nous arrivons au moment côté pour nous prendre l'autre air. Ça veut dire l'air de la stabilité, l'air du progrès et du développement. On y a un balai de côté mieux aujourd'hui. Peuple a songé, ça me dit. On me dit, tire cela, c'est pour l'élire. Le DG EDH, ministre de la République, directeur général de la NASA,
Yo te dis que automatiquement que l'État haïtien devine reprendre ça pour vous, parce que l'État haïtien va reprendre l'usine pour lui. L'État haïtien va reprendre l'usine pour le président de la République. L'État haïtien va reprendre l'usine pour vous. Parce que l'usine ça, Centrale Varoua, sont usines que l'État haïtien a construit en 1979. Et jusqu'à présent, moi-même comme chef d'État, je ne peux pas faire papier qui est l'État devant nous, l'usine ça. Et c'est pour ça que nous avons une décision pour que l'usine ça, ça pour vous, et retourne pour vous. Je dis, je regarde à Zium et nous-mêmes, journalistes qui là, nous voyons les médias, que l'usine va déraper. Ça veut dire que service vous commencez à faire. C'est deux centrales, Varoua 1, que nous avons visité, Cap Marché, Varoua 2, que nous allons passer directeur à la parole, pour dire exactement qui là et comment la déraper l'autre centrale là. Mais avant de passer la parole, nous avons aimé parler nous de affaires. Électricité a bien dans le pays. Moi, je suis allé à Taïwan en mai 2018. Je suis allé avec le président du Sénat, dans la présidente de la Chambre des députés. L'État taïwanais prête nous 150 millions de dollars. Pour nous faire à travers le pays, réseau électrique, parce que ça, je voulais comprendre. Ce n'est pas produire l'électricité qui est difficile. C'est construction réseau, parce que je dis route côté pour courant, parce que c'est le plus gros problème. Et là, nous sommes à Taïwan avec gros monsieur, ça veut dire docteur Calix, directeur EDH, ministre de la République, ils ont expliqué nous qui ça nous besoin pour nous mettre construire réseau électrique dans 51 communes dans le pays qui n'ont pas de réseau électrique. Je voulais parler, par exemple, dans le département Nord-Est, de communes Capoti, communes Montorganisées, communes Montbécoche, commune Caris, commune Vallière, commune Perche qui a un problème réseau. Dans le nord, nous voulons parler de commune Dondon, commune Pilate, commune Boy, commune Plaisance, commune Baron, La Victoire, Grand Kit qui a un problème réseau. Dans le département l'Ouest, nous voulons parler de commune Pointe-à-Raquette, Ansagalais, nous voulons parler de commune Cognillon, de commune Fonverette qui va un réseau. Dans le département Nord-Ouest, nous voulons parler de commune Île de la Tortue. Nous voulons parler de commune Chansol, commune Bassin Bleu, commune Baie-de-Haine qui n'a pas de réseau. Dans le département Sud-Est, qui est un département qui a plus de problèmes de réseau, nous voulons parler de commune Côte-de-Fer, commune Bénet, nous voulons parler de commune La Vallée-Jacmel, Caille-Jacmel, commune Marigot, commune Bellance, Grand-Gosier, commune Tuyot, Ansapit qui n'a pas de réseau. Ça dit même là, nous avons bout de filion en l'air, peuple là. Ce n'est pas ça le réseau. Jodia n'a parlé de réseau intelligent. Ça veut dire réseau qui a supporté compteur prépayé. Réseau qui a supporté une centrale mixte. Ça veut dire qu'il y a un solaire avec une autre matrice ensemble qui marie. Là, on prend un département grand dans un autre département qui a pile de difficultés. Nous avons construit le réseau Les Iwa. Nous passons maintenant réseau Ansdeno, réseau Dame Marie, mais une série de l'autre commune. Tant que Chambellan, tant que Mouron, tant que Mafouin, tant que Abricot, tant que Bonbon, commune tant que Pestel, tant que Corail, commune tant que Beaumont, il n'y a pas un réseau électrique. Même si nous avons un bout de fil, ce n'est pas ça que le réseau électrique. Là. Et c'est pour ça, dans le prêt que nous devons faire, par exemple, pour commune, au CAI, pour département sud, ça va être plus mal parce que ça. C'est deux communes seulement, c'est commune Ilavache avec commune Chardonnière qui sont censées avoir un gros problème. Mais NIP aussi. Pour ne pas oublier, pour ne pas avoir un département dans le pays qui fait jalousie, nous connaissons que commune Ansavo, commune Petit Trou de Nip, Plaisance du Sud, commune Fondernègre, il y a un problème. Nous connaissons que pour Sud là, tout commune Fondèble, qui tout pour le département Nip, il y a un problème. Problème réseau. Mais l'un d'aller en Babli, regardez toute commune, c'est comme je disais, département centre, nous voulons parler de Cercala sous Savanette, qui y a un problème réseau tout. Réseau Boucan Carré n'est pas bon. Dans le département Nip, Saint-Babli et commune Grand Boucan, commune Baradet qui a un problème réseau. Et pourtant, nous pas, l'un d'aller chercher Kobla, nous pas aller chercher pour nous devenir construire des bagailles, côté nous te fait. Nous pas chercher pour nous te faire pour tout le pays. 51 communes, ça vous m'avez cité. Pas de yon qui a une capacité pour prendre un réseau intelligent aujourd'hui. Maintenant, 150 millions de dollars que nous avons cherché pour nous. Il y a 20 millions de dollars qui peuvent construire un réseau dans ces petites communes. C'est des communes qui n'ont pas besoin de ville. Pour construire un réseau, c'est entre 300 000 et 500 000 dollars chaque commune a besoin. Reste 130 millions de dollars. L'État est là pour construire le grand réseau métropolitain.
qui t'a sorti de Bois-Neuf, ça veut dire que t'as alimenté commune Montoui, commune Akaye, commune Cabaret, commune Cité Soleil, commune Croix des Bouquets, commune Gantier, commune Tomazo, commune Tabac, commune Pétionville, commune Delma, commune Quincecoff, commune Port-au-Prince, commune Cafou, commune Gressier et commune Léogane. Ça veut dire l'argent ça a, moi-même l'homme dérivé l'autre bois président Tawane a témoigné dans combien de temps que me penser que ça va le faire. Je dis, dans 15 jours, parce que je pense que ce qui concerne tout le monde, il n'y a pas privé dans le niveau du Parlement pour le débloquer. Mais malheureusement, moi, décembre, déjà là, depuis le directeur général EDH a signé un dossier, ça, ça fait un an. Pour dire à quoi, pas jamais passé. Et c'est pour ça que je voulais dire aujourd'hui, pour nous comprendre bien que le président a une vision, le président a une volonté. Les gens prennent l'autre morceau de cola avec les son pozolier. Si l'autre pouvoir n'a pas emboîté le pas, le sale son problème. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, pour nous comprendre bien que production courante, ce n'est pas le problème, non? C'est la distribution. Je vais passer déjà la parole pour une explication sur le central. Vous connaissez qui le central va redéraper. Ensuite, comme je dis tout, son boucané pour t'en bouillir. Ce n'est pas courant 24 sur 24 la classe, ce n'est pas ça nous venons de nous là. Ce n'est pas venir tromper personne. Pays d'Haïti, pas qu'à gagner courant 24 sur 24 avec diesel avec mazout. Je te dis déjà. Non, il n'est pas capable. Nous avons fait choix. Matrice énergétique, il va composer de gaz naturel, hydroélectrique, solaire, biomasse et éolienne. Ça veut dire là, c'est ça où les gens me disent, je profite de la zone métropolitaine, tout sont boucanés pour tant bouilli. Parce que le docteur Calix va expliquer nous qui ça a fait à travers trois décrets qui étaient publiés le 3 février 2016 à partir de décrets ça. Anassé, vient sous pied. Le docteur va expliquer nous exactement qui côté nous est, combien de départements qui n'ont pas d'offre déjà et qui situation pour tout conscient, qui étude qui est faite pour la zone métropolitaine pour nous arriver à changer les affaires mazout avec diesel là. Parce que ça, il n'est pas rentable. Ce n'est pas possible ou pas capable de produire courant et puis pour gaz à effet de serre, ça veut dire des gaz que gaz ça a fait dans la nature, nous-mêmes nous priorisons l'autre gaz. Moi toujours dis, moi là pour la paix, moi là pour l'entente, moi là pour l'union, même là pour me protéger de tirer cela. Nous comprenons ça que tirer cela pour m'expliquer. Ça veut dire ici là, c'est une centrale. Centrale où elle est là, c'est pour l'état lié. Mais un avenant qui fait sous lui, d'ailleurs il est illégal, avenant pas fait sous contrat, mon contrat pas fait 5 ans pour un avenant, 14 ans qui fait sous lui. Bon tiré qui était dans avenant, c'est peut-être 2008 à aujourd'hui, ça fait 11 ans ou bien 10 ans, je ne sais pas. Bon tiré qui était 3 ou 4 ans, tiré ça, c'est pour le peuple. Aujourd'hui, je dis, mon investissement privé, c'est même gens ça passe dans petit goave avec Okaï, nous respecter ça qui pour le monde privé. D'ailleurs, je dis, je suis entrepreneur. Ça veut dire nous respecter ça qui pour le monde privé. Mais c'est pour le monde. Pour qu'on ait un tires, peuple, on a un petit bail qui est dans le monde, qu'on ait un privé de jour. Parce que tires là, c'est pour le peuple. Pas grand rien qu'on ait un hold-up sur nous. Qu'on ait un mot sur lui là, nous ne pouvons pas retirer le monde. C'est le rôle nous, c'est pour ça que le peuple a bon nous pouvoir, pour nous, venir travailler dans l'intérêt pâle. Ça veut dire, l'État construit depuis 1806 pour vivre aujourd'hui, son l'État prédateur. Son l'État qui est là pour craser le peuple ici. Aujourd'hui, pour nous mettre ensemble, pour nous capables de construire, on l'État serviteur. Et c'est l'État, ça a même gens, par exemple, dans tout notre pays sur la terre, même gens en France, aux États-Unis, aux République Dominicaine, c'est l'État serviteur, ça, c'est lui qui fait citoyen, qui a fait progrès. Et c'est pour ça qu'on travaille, pour que l'État haïtien, qui jusqu'à présent, on en a parlé là, son l'État prédateur, pour le cas de l'État serviteur, pour nous capables de servir le peuple. Oui, merci, population, tout pour patience, parce que le fait que 20, 30, 40 mégawatts t'es manqué, moi, je connais que j'ai souffri. Pendant quelques semaines, ça, mais je promets que même j'en ai deux moteurs là qui démarrent avec même ressources. Ça, et avant fin semaine, là, nous allons mettre plus de gigawatts sur le réseau et va y avoir deux qui disent de nous là avec aide ministre, gouvernement, président, premier ministre. Là, la capable de jouer combustible et nous-mêmes, nous avons géré la question de ressources humaines pour que avant Noël. Eh bien, toute capacité de production centrale va ressortir à ce réseau pour la jeune population pour améliorer la quantité de production. Ma petite population, tout que production c'est une, mais pour nous, c'est ensemble pour nous marcher avec les compagnies.
pour nous payer facture nous pour prendre bon pour adopter bon comportement. Combien de mégawatts nous avons déjà jusqu'à présent et combien nous espérons gagner? Nous sommes passés là de 70-75 avec 12 mégawatts en plus là, nous passons après 90 mégawatts. Que ce soit contrat de base, c'est-à-dire premier contrat, que ce soit avenant numéro 1 qui était pour VARE 1, tous les deux faites son base contrat WOT, c'est-à-dire réparer son jeune, opérer son jeune dans fin contrat, transférer infrastructure par l'État ici. Week-end est passé, à, samedi, nous étions dans Nord-Est, côté nous avons regardé le gouvernement central qui est dans le Caracol, là. Nous avons regardé dans le cadre d'appel d'offres qui fait sur Nord-Est. Là. Parce qu'en fait, appel d'offres Nord-Est, là, et nous connaissons 5 communes qui étaient sous Nord-Est, et le gouvernement prend une décision pour l'ajouter plusieurs autres communes, comme le quartier Morin, comme le Fort Liberté, comme le Ferrier, comme le Perche, comme le Wanamet. Donc, toute centrale, nous avons fait réunion avec Mounio pour nous expliquer où ça peut arriver. Et nous avons visité cette centrale là, m'a parlé de l'appel d'offres et Nord-Est. Nous avons fait un coup de pied tout, comme appel d'offres et pour Kaila, il lance tout, nous avons fait un coup de pied dans Okaï, côté nous avons présenté à la population Nord-là, et au Cap, nous avons présenté à la population Nord-là, appel d'offres et pour au Cap-là. Donc, m'a dit nous que le programme d'électrification pays, j'aime toujours dire rapidement, il y a trois axes là-dedans. Le premier axe là, c'est renforcer le réseau métropolitain, développer le réseau métropolitain. Deuxième axe là, c'est réseau régional. Nous avons deux exemples de réseau régional que nous lançons appel d'offres déjà. Troisième axe là, c'est solution hors réseau. Nous apprenons rapidement une par une pour nous avancer. Premier axe là, c'est une réseau fait de la matin parce que nous voyons réseau métropolitain on demande de à peu près 450 MW pour fonctionner. Pendant que aujourd'hui là, nous avons 75 MW. Avec ajout de 15 MW là, nous passons à 90 MW. Donc tout le monde est capable de voir un écart terrible entre puissance qui est disponible. Et demande. Et pour nous être capable de combler ça, nous avons fait étude, nous avons vu que le plus bon moyen pour le pays à avancer en matière de production, c'était pour central qui va marcher avec un fuel qui est différent, un fuel que le gaz naturel. Et je pense que moi, il y a plusieurs débats qui ont fait dans le pays pour que ça nous fait option gaz naturel. Je n'ai pas une seule explication qui est simple pour lui. Oui, je dis à la nous venons dans la centrale VARE, chaque temps, vous avez besoin de faire 1 MW VARE marché, les couteaux ou dépenser ou sous vous acheter 62 gallon gaz diesel pour le marché. Donc on fait calcul là en moyenne côté VARE qu'on bail 40 MW, fait 40 MW par 63, la bonne quantité pour une heure temps, fait pas 24 heures. Nous fait exercice ça matin avec étude de la d'extension, yo te wè que nous n'en bagay 4 millions de dollars. Donc l'on mette montant ça sous année dit des milliards, des millions de dollars et sous prendre demande 450 MW, tu as dit que ou faire seulement avec carburant ça ou besoin 40 millions de dollars par mois pour consommer uniquement acheter carburant, pas parler de investissement initial. Donc tout le monde ouais 450 MW là, donc tout le monde vient voir que ce est extrêmement impossible pour faire choix technologique. Ça nous garde des gaz naturels là, nous le marché américain va continuer à suivre ça, évolue en pile, prix gaz naturel a baissé considérablement et Caraïbes là vient au marché actif pour marché international en matière de gaz naturel côté. Et selon les dernières voies que nous avons fait dans les États-Unis, côté USCD, qui est US Fuel Development Agency, t'es accueilli nous, dans le cadre d'une visite de 10 jours que le gouvernement a planifié, nous avons ouais, effectivement que le gaz naturel là, une opportunité extrêmement importante, qui va permettre de baisser le coût de production. C'est ça que fait. Le gouvernement prend une décision pour Port-au-Prince, par exemple, nous allons mettre seulement base thermique là, basée sur le gaz naturel, et nous allons coupler avec une énergie propre, qui c'est l'énergie solaire pour nous déraper. Et au fur et à mesure que la demande va augmenter, nous allons combler la demande avec énergie éolienne, nous allons mettre énergie hydro, et puis nous allons mettre énergie biomasse, nous allons garder en fait, où est-ce l'énergie, comment nous allons convertir, fatra avec énergie. Nous avons besoin d'un exemple ça pour nous montrer, région métropolitaine, là, côté central 300 MW, ça, études préliminaires ont été faites déjà, études préliminaires ont montré qu'on a installé deux groupes, chacun capacité 150 MW, et qu'on a pendant pas la voilà, on a fait études. Pour nous connaître qui est le meilleur moyen de mettre le terminal en place. Et le terminal, nous avons parlé d'un terminal méthanier. Côté, nous sommes capables de stocker le gaz naturel là, sous forme liquide et puis acheminer vers les différents points de distribution. Et nous-mêmes, dans la stratégie, nous avons regardé comment nous avons fait le gaz naturel là, de fuel. Vin fuel pour le futur là, parce que nous avons pensé non seulement à la production d'électricité, nous avons pensé aussi à transport. Jean Président a expliqué ça. Pour ça arriver fait, effectivement, il faut un gros réseau. Parce qu'une fois que nous avons fait 350 MW, 300 MW là pour nous mettre la caille mounio. Pour nous mettre la caille mounio, nous sommes obligés
quand nous mettez réseau en place et c'est tout réseau ça représente expliquer tout à l'heure, on pas besoin d'entrer là-dedans. Ça c'est pour porter ça pour nous car clair. Porter ça dit simple, nous va augmenter capacité de production nous. On fait production avec gaz naturel et solaire pour nous déraper, on mettez réseau nous en forme pour capable alimenter mon. Maintenant l'on quitte Port-au-Prince, on nous rivé qu'il sur réseau régional. Le réseau régional a lancé déjà 4 appels d'offres. Nous lancer appel d'offres sur Okaï. Nous lançons appel d'offres déjà. Et pas dire appel d'offres qu'elle a lancé depuis en septembre. C'est pas depuis en fin mois d'août. C'est pas Kounia lance appel d'offres et Miragouane. Nous faisons ni Miragouane ni Okaï. Nous faisons appel d'offres sur Nord-Dessa, qui c'est le réseau Caracol. Et nous faisons lancer appel d'offres sur le réseau Okaï. Et besoin de clair pour tout sur le Nord. Et besoin de clair, ça, tout qu'on a cherché. On a cherché un opérateur. Je prends un exemple simple avec nous, par exemple, pour Okaï. On a cherché un opérateur qui a 25 MW de gaz naturel en termes de production. Qui est capable de centrale solaire de 6 MW, qui est capable d'utiliser le réseau EDH là pour le passer pour faire production là, qui est capable de vendre courant. Vous voulez dire ça clair à tout le monde? Pour tout le monde comprendre ça, nous changer le paradigme. Avant, comment était fait, vous avez un opérateur qui était au CAI, qui produit au CAI, qui vend EDH, c'est EDH qui était pour démêler pour le collecter. Pour nous demander au nouvel opérateur pour lui prendre un risque commercial là tout, pour lui produire. Pour utiliser le réseau EDH et bien ensuite pour le vendre avec le client. On travaille sur eux, nous pensons dès deux premiers mois et l'année prochaine, nous allons lancer pour Port-de-Paix. Port-de-Paix, de toute façon, son réseau gagne deux communes là-dedans. Ou bien Port-de-Paix avec Pointe-Palmis. Et puis ensuite, ou bien Jacques Mel, Sud-Est, c'est quatre communes qui sont dans le Sud-Est, donc ce n'est pas un gros réseau. Et pour gagner un réseau, c'est plus intéressant parce que là, on a à peu près 50 MW. De production et puis nous allons lancer appel d'offres pour Jérémien. Jérémien, son petit micro-réseau lié parce qu'il y a 4 MW, n'a pensé lancer à travers une centrale solaire et puis qu'il y a un petit bac-up diesel et puis un gros moment bas et stockage là-dedans. Donc, moi, bien content et vous faire remarquer la présidente. Effectivement, nous sommes plus basés sur ça que nous allons lancer déjà, qui c'est 4 gros régions dans le pays, qui c'est Nord-Est, qui va alimenter presque tout le département, qui c'est en fait le département du Nord là, avec centrale, avec appel d'offres sous Cap-Haïtien, département Sud. Côté nous gagnons au Okaï, côté la centrale là, et puis nous prenons Nip, côté la centrale là dans Miragouane. Et puis tout l'autre, nous prenons pour toute centrale, toute centrale, ça va me comprendre. Même si nous faisons un move au Okaï avec Tigouab, ce n'est pas un provisoire. D'ailleurs, par exemple, au Miragouane, nous faisons une étude là, il y a 25 MW. Pour nous conseiller, parce que dans le Miragouane, ce n'est pas une solution définitive. C'est une solution provisoire en attendant que nous recrutions un opérateur qui va opérer centrale. Tigouave en général, réseau Tigouave là, pour mettre 25 MW de gaz naturel sous lui et pour mettre automatiquement 25 MW de gaz naturel et puis 8 MW solaire. Et bien tout le monde clair comprenne que gaz naturel là, comme terminal, non, pourquoi après, nous décidons de faire le vini par conteneur ISO pour l'alimenter central ou bien par choc, en attendant terminal pour tout en fait. Le terminal pour tout fait, lui-même, nous terminal méthanier ça, automatiquement, on a transporté gaz naturel de point. Centrale de centre gaz qu'à Port-au-Prince vers toute région du pays. La priorité, n'a fait pas route, n'a fait pas parlement. Donc, c'est deux programmes que nous avons préparé pour nous comprendre ça. Pas de gouvernement. Vous voulez parler, moi, pas parler de. Moun qui saute loin au début. Oui. Oui, pour les gens qui sont extrêmement loin, qui sont dans la section communale, ah, oui. Effectivement, nous gardons, nous voyons que nous avons fait estimation en 2027, nous avons presque 1 million d'habitants. Qu'on y a entre 600 000 et 700 000, nous allons lancer notre travail dans l'ANSEA, nous allons recenser, nous allons être vraiment communaux, section communale pour collaborer, parce que, et moi, je crois que sur 672 sections communales, nous allons avoir 222 qui répondent, l'autre est un petit réticent, parce que depuis plus de 200 ans, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de comprendre que, et qu'on y a, et l'ANSEA a pris les moments d'explication pour nous faire répéter, nous allons avoir pour collaborer, nous allons avoir 222 sections communales qui collaborent déjà, nous allons écouter les gens, nous allons faire un système simple, nous allons décider un système qui gagne 3 ampoules avec 2 ports USB, son système qui est à peu près on dit 50 watts d'énergie, donc qui permet de gagner 2 ou 3 ampoules avec charge de téléphone. Yo. Nous avons fait 10 000 familles déjà, et là, dès le mois de janvier, à travers le site national, nous avons un formulaire pour nous préqualifier les compagnies. Nous avons dit que les compagnies sont intéressées, remplir le formulaire maintenant, nous avons une équipe membre, pour remplir le d'accord avec vous, ou sur le terrain, ou travailler avec les paysans, section communale, ou installer le système. Non? Le système vient installer, ou bien un rapport, ou un paye 50%. Par exemple, nous prévoyons entre 60 et 80 dollars, mais 50% et paysans pour gagner 50% ça pour le rembourser à travers un système intelligent qui aurait le système pay as you go, un système prépayé. Côté ma bamouna au numéro 4 et mon a 40 sous système solaire là,
qui permet de payer. Donc tout le monde a rempli l'innovation, ça va créer un pile compagnie locale et on travaille avec compagnie locale ça pour capable alimenter pays. Voilà. Équipe Tivika et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.